Depuis le 19 mai dernier et leur union, le prince Harry et Meghan Markle sont, officiellement, duc et duchesse du Sussex. Mercredi 3 octobre, le couple royal s'est rendu pour la première fois, depuis leur mariage, dans cette région du sud de Londres. Dans la ville de Chichester, Meghan Markle et le prince Harry ont été accueillis par des centaines de personnes, ravis de rencontrer pour la première fois leur duchesse et leur duc. Pour ce déplacement, l'ancienne actrice avait adopté une tenue que Closer a décryptée pour vous dans la story de son compte Instagram, chemisier fluide vert de la marque et Other Stories accompagné d'une jupe en cuir signée Hugo Boss. Un look qui n'est pas sans rappeler celui de son personnage dans la série Suits. Pour se protéger des températures automnales du sud de Londres, Meghan Markle avait ajouté un manteau rose poudré à sa tenue. Lors de cette journée passée dans le Sussex et entre deux bains de foule, le couple royal est notamment passé par Leeds House, bâtiment historique de Chichester, où ils ont pu consulter une rare copie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ils ont également visité l'université de Bognor Regi où ils ont rencontré certains élèves.